Ciao tout le monde, c'est Cassilie. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo qui concerne mon opération que j'ai faite. Je suis désolée si j'étais absente encore une fois sur YouTube, mais tout simplement, je me suis fait opérer. Donc je pensais que j'allais récupérer plus rapidement, mais j'étais fatiguée, donc je préférais pas vous filmer. Je suis en post-opé de 3 semaines maintenant. Je pense que c'est bien de vous faire cette vidéo quand... Enfin, plus dans le temps. D'ailleurs, j'en avais discuté avec mon chirurgien, parce qu'il sait du coup que je suis sur YouTube, etc. Et même lui, il m'a dit c'est bien d'en parler avec le recul, et je trouve que c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Enfin, là, je peux plus vous dire de choses, et je pense que je ferai un update peut-être d'ici un an. Pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, j'avais demandé que vous me posiez des questions sur Instagram à ce sujet-là pour qu'on puisse vraiment étaler au maximum les informations à ce propos, le pourquoi du comment, etc. Je sais que ça en a étonné pas mal. Enfin, j'ai eu énormément de retours positifs en fait. C'était que des retours positifs d'ailleurs pour la plupart. Donc merci beaucoup de vous être inquiété pour moi. C'était super mignon en tout cas. Pour commencer, déjà je pense que je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, quelque chose de très... en survol, et puis après on va rentrer en détail avec vos questions. Moi et mon rapport à mon corps, je pense que c'est important d'en parler. J'ai toujours été, enfin, plutôt à l'aise quand même avec mon corps. Après, c'est vrai qu'on est toujours assez dur envers nous-mêmes et les réseaux sociaux n'arrangent rien, comme on le sait, je vous en ai déjà parlé. C'est quelque chose quand même qui est assez malsain, pourtant c'est quelque chose de tellement bien, les réseaux sociaux. Ça peut nous apporter tellement de choses, mais ça peut tellement aussi nous apporter énormément de négatifs, que ça nous apporte automatiquement des complexes. Alors qu'on sait très bien sur les réseaux que beaucoup de choses sont retouchées, beaucoup de choses sont fausses. À mon collège, etc., où j'étais pas forcément à l'aise avec ma poitrine, parce que à cette époque-là, bah, en fait, quand on est petit, malheureusement, les petits entre eux, ils sont vraiment, mais horribles. Et c'est vrai, c'était plus à cette période où j'étais complexée, parce que du coup j'avais beaucoup de critiques en mode planche à pain, des plâtres, machin machin machin. Ça, j'en avais parlé dans ma vidéo, je crois, comment assumer sa petite poitrine. Ouais, j'ai toujours été bien en fait avec ma poitrine, je trouvais ça très beau. Je trouve qu'une petite poitrine serait très beau, enfin toutes les poitrines sont belles dans tous les cas. Mais j'étais vraiment à l'aise en ma petite poitrine. Avec le temps, j'ai appris à l'aimer. Et surtout, j'ai appris à m'habiller en fait en fonction de ça. Mais je suis arrivée à un moment où c'était pas ma petite poitrine qui me dérangeait, c'était la forme de ma poitrine. Et là, on va rentrer dans un sujet qui est hyper intime, mais que je voulais à tout prix vous parler parce que j'ai pas vu spécialement de vidéos sur YouTube à ce sujet. Je suis pas du tout la seule à être dans ce cas-là, puisqu'il y a à peu près 15% en France de femmes qui ont la même malformation, je dirais, que moi. Je suis désolée si j'emploie pas les bons termes, mais enfin, vous verrez avec un chirurgien qui pourra vous expliquer mieux que moi. J'avais un problème avec la forme de ma poitrine, je la trouvais pas harmonieuse, je trouvais pas ça joli, j'avais un manque sous ma mamelon du coup de poids, vous savez, de cette poitrine. Surtout au niveau du haut, c'était très creusé, enfin c'était pas une poitrine harmonieuse en fait. Je trouvais que j'avais pas une forme de poitrine de base dite, j'allais dire, normale. Enfin, que ce soit avec mes amis ou quoi que ce soit, aucune personne s'est vraiment dit oui, enfin t'as une poitrine bizarre ou quoi que ce soit. Enfin, pas du tout en fait, ça a jamais été un souci. D'ailleurs, quand j'ai dû aller chez le médecin faire ma mammographie, etc., même les filles en question me disaient, mais je ne comprends pas pourquoi tu veux trop faire la poitrine, t'as une jolie petite poitrine, etc. Donc c'est pas des choses qu'on remarque forcément au premier abord, c'est plus nous et notre rapport au corps. Donc je me suis dit, bon, peut-être c'est un problème personnel, etc. Je me suis dit, bon, t'aimes bien ta petite poitrine, ok Cassie, mais c'est vraiment la forme que t'aimes pas. C'est-à-dire que quand j'étais nue, enfin j'étais hyper, déjà que nue, je suis une fille pudique en fait. Ça me dérange pas de porter des choses courtes que vous voulez, mais être nue face à quelqu'un, personnellement, moi ça me gêne mais fois mille en fait. Mais vraiment, je suis une fille ultra pudique, même dans mes relations, etc. Clairement, je suis quelqu'un de très très pudique. Et vraiment, genre, j'étais gênée, ça me posait des problèmes personnellement. Dans mes relations amoureuses, c'était un problème en fait, clairement, je vous le dis, dans mes relations. J'étais vraiment gênée par ma poitrine, ça mettait du temps pour que je puisse être complètement libre avec ça, et j'arrivais jamais à être libre à 100% en fait, vraiment. J'étais très gênée, genre, c'est une partie, je voulais pas qu'on regarde, j'étais, enfin voilà, j'étais très. Très 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 gênée. Et je me suis dit il y a quelques temps, bah écoute,
va voir un chirurgien, au pire, va voir un chirurgien, tu verras, peut-être qu'une augmentation mammaire ça pourrait être bien, etc. Et j'y songeais de plus en plus, et soit je comptais me faire opérer en fait cette année-là, soit l'année d'après. Concrètement, c'était ça l'histoire. Et en fait, j'ai eu pas mal de filles autour de moi qui se sont refait la poitrine. Et dont une amie que je connaissais qui s'est refait la poitrine, et je trouvais le résultat super beau, surtout au niveau de la cicatrice qui ne se voyait pas. Je trouve ça incroyable, j'ai dit écoute, enfin le travail il est ouf, etc. J'ai aussi d'autres amies qui m'ont laissé aussi palper leur poitrine parce que je disais mais est-ce qu'on sent la prothèse et tout. Et elle me disait écoute palpe, et c'est vrai que je sentais pas forcément une prothèse ou quoi que ce soit. Donc quand vous avez des potes comme ça c'est trop bien. C'est vrai que ça vous aide à savoir aussi quel résultat ça donne aussi au niveau du toucher, parce que c'est vrai qu'on sait pas en fait, enfin ok tu touches une prothèse mais ça donne quoi sous la peau en fait concrètement. Et c'est vrai que je trouvais les résultats super beaux, et les chirurgiens qu'on me proposait, dans tous les cas, toutes mes amies confondues qui s'étaient refait la poitrine, c'était des chirurgiens sur Paris. Par un bon praticien qui a des bons antécédents, qui est reconnu, etc. Et au final j'ai choisi une de mes amies par rapport à la cicatrice, parce que je suis une fille qui marque énormément. C'est-à-dire que tout ce qui est sur ma peau, ça marque. Je me suis dit ok, il me faut quelqu'un qui fait des belles cicatrices, etc. C'est important pour moi. Du coup j'ai choisi ce chirurgien. En fait au premier rendez-vous, ce qui s'est passé concrètement, c'est je suis arrivée au premier rendez-vous et j'ai dit voilà, je me sens pas bien avec ma poitrine, je trouve elle est pas harmonieuse. Et là il me dit écoute, déshabille-toi, on va regarder, etc. Donc, il commence à me palper, donc à regarder, à tirer la peau, voir ce qui est faisable, tout ça, tout ça. Et il me dit écoute, t'as une poitrine tubeuse. Et je lui dis ah. Et il faut savoir que quelques jours avant d'aller voir un chirurgien, je m'étais renseignée sur les différentes poitrines. Et j'étais tombée sur des dessins, c'était même pas des photos, des dessins de différentes poitrines où ils expliquaient ce qui allait, ce qui allait pas. Je vous jure que ce jour-là, j'ai laissé mon ordi. Je me regarde dans la glace, je me dessape, et là je suis mais attends, mais en fait c'est ça que j'ai, enfin en fait c'est, enfin ça m'a fait comme un déclic. Quelques jours avant, dites-vous, que je vois le chirurgien, sinon je n'aurais jamais su. D'ailleurs il y a plusieurs grades de poitrine tubeureuse, toutes les poitrines tubeureuses aussi sont différentes puisque chaque poitrine est différente. Moi pour vous dire, ça se voyait pas tant que ça. Ce qui se passait surtout, c'est que j'avais pas ce développement, vous savez, ici, j'avais pas le bombé en dessous du sein, j'avais pas le bombé non plus. Enfin, et il m'a expliqué qu'en gros à l'adolescence ça s'est pas développé tout simplement comme il le fallait. Voilà, ça arrive. Ce qui fait que c'est pour ça que j'avais cet aspect ici de creux, qu'en dessous j'avais pas ce galbe en dessous de la poitrine. Et il m'a dit écoute, on va faire des photos, parce que j'ai dit est-ce qu'il y a possibilité que je me fasse prendre en charge. Il me fait Kasslie, il y a moyen que tu te fasses peut-être prendre en charge une partie. Moi il m'avait dit que la prise en charge était à hauteur de 2000 euros à peu près. Donc j'ai dit bon bah pas de soucis, on fait ça. On a essayé des prothèses, et pour vous dire à quel point que bon, ma poitrine elle s'est pas formée, j'avais pas un large choix parce que la prothèse serait vue en dessous de ma poitrine, ce qui n'était vraiment pas le but. Dans tous les cas, moi ce que je voulais surtout corriger, c'était l'aspect général harmonieux, c'était vraiment le fait d'avoir une poitrine en fait normale que j'aurais dû avoir. J'en ai essayé deux différentes, donc une qui était un peu plus grosse, l'autre qui était un peu plus petite. J'avais choisi celle qui était un peu plus grosse. Et un matin, je reçois un message de mon chirurgien qui me dit Cassie, t'as été prise en charge. Et je vous promets que à ce moment-là, genre, je me suis effondrée, genre, j'ai pleuré et tout, j'étais trop contente. Ça m'a enlevé un poids dans le sens où je me suis dit, ok, en fait, enfin, Cassie, c'est normal que tu sois complexée en fait depuis toutes ces années, que t'acceptes pas la forme de ta poitrine parce que c'est pas formé en fait normalement. Ça m'a prouvé les choses, surtout que quand j'ai fait les photos, vous devez bien vous douter, on était en période de Covid, donc on était à la sortie du confinement, et on va se le dire, avec la sécu, etc., se faire prendre en charge comme ça, faut vraiment que ça soit justifié. On avait fait vraiment toutes les photos, enfin avec les centimètres, pour vraiment que tout soit bien monté, mon dossier pour la sécu. Au deuxième rendez-vous, malheureusement, parce qu'avec ce que j'ai eu, comme vu que j'avais une formation, il a fallu au final que on voit pour me faire un transfert de graisse. J'ai dit ok, pas de soucis. Donc là je me dis bon, double opération, c'est pas grave, vas-y.
Il faut savoir que quand vous êtes prise en charge, en fait, partiellement ou totalement, pour mon cas c'était partiellement, vous êtes obligé dans tous les cas de vous faire opérer sous les 6 mois et par le chirurgien avec qui vous avez fait la demande de prise en charge. Ce qui s'est passé, c'est que lors de ce deuxième rendez-vous, donc il a directement déduit la prise en charge. Donc concrètement, ça me faisait sauter le prix de mon lipofilling. Le petit lipofilling que je faisais, il me restait à payer du coup mon augmentation mammaire. Au niveau des prix, je vais pas vous expliquer parce que ça dépend, il y a des choses aussi des fois vous pouvez faire rembourser, ça dépend de votre mutuelle, il y a plein de choses qui dépendent. Ça sert à rien de me demander à moi parce que j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet-là, t'as payé combien et tout? Ça varie en fonction du chirurgien que vous allez voir, ça varie en fonction de ce que vous voulez, ça varie. Enfin, vraiment, tout est variable. Si on compte pas la prise en charge, ouais, on est plus vers du 8000 euros concrètement. Sur ce que moi j'ai fait, puisque j'ai fait une double opération, enfin, entre guillemets, mais vous avez compris. J'ai posé le rendez-vous, malheureusement, c'est qu'en septembre, Enfin, tout dépend de mon cursus. Je voulais pas me faire opérer en septembre, Enfin, je m'étais jamais fait opérer, je savais pas comment mon corps allait réagir, donc j'ai dit, écoutez, on fait cet été. Le 28, je me suis fait opérer, soit 15 jours après mon rendez-vous chez le chirurgien, un peu plus de 15 jours. Il faut savoir que vous ne pouvez pas vous faire opérer 2-3 jours après votre rendez-vous chez le chirurgien. C'est pas possible, c'est la loi. C'est au niveau du temps de réflexion, il vous faut 14 jours. Faire pas mal de choses, de démarches, ce qui concernait mammographie, ce qui concernait voir mon groupe sanguin, ce qui concernait des prises de sang, rendez-vous avec l'anesthésiste, il y a pas mal de choses. Avant mon opération, c'était toute une organisation. J'ai dû acheter brassière de contention, bas de contention et gaines pour ma part. On allait me faire un transfert de graisse entre tout ce qui était ventre, hanche, dans la poitrine. Et ce qui a suivi, c'était un peu compliqué parce que ça devait pas trop se passer comme ça. De base, j'étais censée prendre du poids. Alors je mangeais, mais je perdais du poids. Je pense que c'était le stress de l'opération. Et je vous avoue, ça m'a pas du tout arrangé. Ça m'a pas arrangé forcément. Le but, c'était que je prenne plus tôt du poids parce que c'est vrai qu'il m'avait dit « Cassie, n'hésite pas à manger ». Enfin, je mangeais mais je sais pas, je pense que j'étais stressée donc je perdais quand même du poids. Et à la fin, une semaine avant mon opération, j'ai recommencé à regagner du poids et être au-dessus de mon poids de forme de base. Donc là j'étais contente parce que c'est vrai qu'au niveau du ventre, j'étais pas, enfin je suis pas à plaindre, j'avais pas forcément beaucoup de graisse. Le jour de l'opération, je suis arrivée, donc je me suis fait opérer à une clinique, la clinique du Louvre. Parce que c'est là-bas que mon chirurgien, donc le chirurgien docteur Pelissier, j'ai eu son accord pour donner son nom, qui m'a opéré à la clinique du Louvre parce qu'il pratique là-bas des fois. Et mon anesthésiste, qui était l'anesthésiste docteur Nomon, qui a été un amour aussi d'ailleurs, enfin merci infiniment à lui. Et je suis arrivée à la clinique où je me suis fait opérer. Les suites, c'était pas les suites les plus ouf de ma vie. De toute manière, je vais répondre aux questions, ça va englober le truc. C'est vrai que les premiers jours, ça a été les jours les plus compliqués. Je pense, je dirais même les plus compliqués de ma vie parce que je me suis jamais fait opérer, j'ai jamais eu de soucis en fait moi. Donc très clairement, j'ai vécu un moment qui était assez particulier les premiers jours. Et après, les autres jours, ça allait. De toute manière, comme m'avait dit mon chirurgien, c'est vraiment les premiers jours qui sont les plus durs. C'est compliqué les 3-4 premiers jours, après ça ira et moi ça allait de mieux en mieux. Maintenant ça va très bien, juste ce qui est un peu compliqué, oui c'est avec la chaleur, garder ma gaine etc. Mais je suis contente de l'avoir fait quand même pendant la période de vacances parce que ça m'a laissé le temps de me rétablir. Tout ce qui était cicatrisation etc, ça se passe très bien. Faut savoir que le chirurgien docteur Pelissier est un très bon praticien, je le remercie infiniment du travail qu'il a fait, du temps qu'il prend. C'est quelqu'un de très professionnel, très assidu, très à l'écoute de ses patients, très bienveillant, vraiment qui aime prendre du temps à discuter avec ses patients, prendre des nouvelles de ses patients, et c'est ça aussi qui était important. Et je suis très contente parce que c'est quelqu'un qui était très à l'écoute de mes attentes, c'est-à-dire avoir quelque chose de naturel, d'harmonieux avec mon corps. Et pour le coup, j'ai totalement ce que je veux à seulement 3 semaines post-opé. Je trouve que le résultat il est déjà incroyable. Alors je pense qu'avec le temps, ce sera vraiment de plus en plus beau. Donc je suis très contente. Et je l'en remercie infiniment, voilà, du travail qu'il a fait. Parce que pour moi, ce genre de travail, il faut être passionné. Et pour le coup aussi, ouais, même mon anesthésiste, c'était un amour. Enfin, docteur Nomon,
vraiment adorable. Et après, il est passé dans ma chambre, donc vraiment trop gentil, ouais. Enfin, même moi, mon chirurgien, il est venu, il était 23h dans ma chambre, il est venu pour prendre de mes nouvelles, savoir si ça allait, si j'avais besoin de quoi que ce soit. On a bien discuté, enfin, c'est pas tout le monde qui fait ça, clairement. Je suis une fille très... Enfin, très connectée, enfin, j'ai besoin d'avoir une bonne connexion avec la personne et sinon je l'aurais pas fait. Et clairement, que ce soit l'anesthésiste ou mon chirurgien, c'est des personnes qui sont très gentilles et très bienveillantes et j'ai eu beaucoup de chance, donc j'étais trop contente. On va passer du coup à la phase des questions. Coucou, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix pour l'opération? Alors moi, comme je vous ai dit, ça varie. Il faut compter ouais, entre 4 000 euros je dirais et 8 000 euros. Après, ça dépend. Moi par exemple, je suis restée une nuit à la clinique sous perf pour les médicaments, etc. C'était un conseil de mon chirurgien, donc ça aussi il y a le prix de la chambre à compter. Pour le coup, je trouve que c'était bien que je reste une nuit par rapport à moi l'opération que j'avais fait, parce que c'était pas qu'une augmentation mammaire, ça a été augmentation mammaire plus un petit lipofilling certes, mais qui était quand même présent quoi. J'étais bien contente de rester la nuit à l'hôpital parce que les envies de vomir après une anesthésie, enfin les médicaments et tout, franchement, j'ai préféré rester. Ça veut dire quoi, reconstructeur? Concrètement, oui, parce que dans ma story, je vous ai parlé d'un acte qui était un acte de chirurgie reconstructrice, chirurgie réparatrice, reconstructrice. Je sais pas quel mot exactement employer à ça, mais concrètement, ouais, on reconstruit en fait, on reconstruit la forme du sein. Donc c'est ce que j'ai eu surtout. J'ai pas eu une augmentation mammaire simple. Chirurgie esthétique simple, pour faire un comparatif. Mon ami en fait en question qui s'est fait opérer, ça avait mis quoi, 45 minutes je crois d'opération. Moi j'ai passé 2h30 au bloc opératoire pour ma reconstruction mammaire. Donc, je suis en est satisfaite. Alors là je suis à 3 semaines post-opé, je pense que je pourrais vraiment vraiment vous répondre ça dans quelques mois. Mais oui, je suis très satisfaite déjà du résultat là maintenant. Enfin, j'ai hyper bien récupéré, enfin les cicatrices elles sont magnifique, enfin franchement, tout le monde me l'a dit, même les infirmières qui venaient me faire mes pansements, ils me disaient mais les cicatrices elles sont trop belles. Donc franchement je suis trop contente, ouais pour ça je suis trop contente. Jusqu'à quel âge c'est remboursé? En fait il n'y a pas d'âge pour être remboursé, enfin je crois il y a trois manières d'être remboursé. On n'est pas remboursé en mode ouais je vais me refaire la poitrine, enfin c'est pas, voilà c'est un acte chirurgical quand même. En termes généraux l'esthétique c'est pas remboursé, c'est de l'esthétique, sauf que moi vu que c'était une chirurgie réparatrice, au-delà que ça soit, oui, quelque part esthétique, c'était réparateur, donc c'est des choses qui sont remboursées. Faut pas croire que les opérations esthétiques sont remboursées, enfin non, on rembourse une chirurgie, en fait, réparatrice, qui est censée être réparatrice, parce qu'il y a un problème, en fait, de base. Moi, j'ai eu de l'esthétique quand même, puisqu'il y a une pose de prothèse, et une partie remboursée parce que c'est réparateur, en fait. Est-ce que sur le plan psychologique, tu n'as pas eu du mal à te voir avec ce changement? Faut savoir que les premiers jours, comme je vous ai dit, ça a été compliqué pour moi. Ça a été compliqué pour moi parce que moi qui n'ai pas l'habitude de prendre des médicaments, je suis passée de aucun médicament à une dizaine de médicaments par jour, à me faire des piqûres de Lovenox tous les matins. Pour celles et ceux qui se sont fait opérer, vous devez savoir de quoi je parle, je me les faisais toute seule. Il y a un médicament qui a été très, enfin, compliqué en fait pour moi psychologiquement, enfin je pense que ça allait pas du tout, c'était l'amanine qui était à base d'opium que je prenais 3 fois par jour pour les douleurs. Le problème c'est que moi je ne prends pas tout ça, je ne touche pas des choses ou quoi que ce soit. Ça, c'était pas ouf en fait, j'avais de gros problèmes de concentration pendant les 4 premiers jours avec ce médicament. Je planais clairement, c'était n'importe quoi, genre je pleurais. On pouvait me parler, j'arrivais pas à me concentrer et tout simplement pour être très franc avec vous, je ne me souviens plus forcément vraiment de tout ce qui s'est passé les 3-4 premiers jours. Et je pense vraiment que c'est dû au cachet qui m'allait pas du tout. Du coup, au bout de 4 jours, j'ai arrêté. Et pour la douleur, je fonctionnais avec Doliprane. Après, de base, j'ai une bonne tolérance enfin, à la douleur, je dirais. J'ai dû faire des prises de sang avec le Lovenox pour voir que tout se passait bien, pour le flux sanguin, etc. Et j'ai fait des prises de sang. Et là, on a vu qu'il y avait de l'anémie. Donc, c'est pour ça que j'étais pas bien. J'ai fait 2 malaises vagaux. Et je pense que c'était dû à ça, au fait que j'avais un manque de fer. Mais aussi, tout simplement, il y avait le choc aussi de l'opération. J'en ai parlé directement à mon chirurgien. Il m'a dit, je pense que c'est soit le choc de l'opération, soit aussi ça peut être l'amanine. Mais avec du recul, depuis que je me suis fait opérer, c'est vrai que ça m'a hyper changé psychologiquement, mais dans le bon côté des choses. Parce qu'en fait, très clairement, je vous dis, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Là, ça m'a rendue plus forte
psychologiquement. Je suis tellement passée au-dessus d'une phobie pour moi qui était l'anesthésie générale. C'est quelque chose qui me faisait trop peur, me faire opérer aussi. Et je suis tellement passée au-dessus d'une peur. C'est un truc de ouf comment ça m'a grave renforcée psychologiquement. Ça n'a pas été facile, ouais, les premiers jours clairement. Enfin, j'ai pas fait qu'une augmentation mammaire. Et bien évidemment, bah, dans mon corps, je me sens mieux. Enfin, je m'accepte plus. Je veux aussi avoir recours à une reconstruction mammaire, mais les cicatrices me font peur. Alors, il y a trois cicatrices qui existent pour une augmentation. C'est sous l'aisselle, sous le... Comment on appelle ça? Je sais pas. Sous le volume de la poitrine. Et sur le mamelon. Donc moi, j'ai fait sur mamelon. Et personnellement, je sais que j'avais, bah, comme je vous ai dit, un bon chirurgien au niveau des cicatrices. Et déjà là, enfin, je suis très contente des cicatrices. On m'a passé des aiguilles. Donc j'en ai deux aussi au niveau des hanches qui sont très, très discrètes et tout. Et je suis très contente. Après, je pourrais que te dire ça dans plusieurs mois, comment moi, mes cicatrices, elles ont évolué. Je pense que c'est personnel. Mais vraiment, bien faire tout ce qu'on te dit au niveau des soins, etc. Bien respecter tout, porter tout, tout ce que tu dois porter. C'est hyper important. Et je pense que ça ira bien. Moi, pour le coup, j'étais contente. Je suis très contente des cicatrices qui sont très jolies. Enfin, vraiment, c'est un beau travail. Quel bonnet faisais-tu avant et maintenant? Je ne sais toujours pas le bonnet que je fais exactement. Pourquoi? Parce qu'on m'a posé des prothèses et tout dépend de ma peau, comment elle est en fait. Enfin, il y a des femmes, elles vont peut-être prendre les mêmes prothèses que moi, mais elles avaient déjà un peu plus de poitrine, donc elles en auront plus que moi, vous voyez. Le truc, faut savoir que moi, de base, je faisais un A que je remplissais pas forcément, enfin, complètement. Vraiment, enfin, j'avais un petit A. Je fais 85 de base ici parce que je suis fine quand même. À la sortie de la clinique, je faisais un C avec les hématomes, un petit C, enfin ouais, un petit C. Et normalement, je pense que je fais un B. Je dois faire un B. En tout cas, actuellement, ça a bien. Enfin, les hématomes, ils sont partis quand même pas mal. Faut encore que ça dégonfle un peu. Je pense que je serai dans plusieurs mois. Mais pour vous faire un ordre d'idée, en France, en moyenne, les filles posent un 280cc pour une augmentation mammaire, ce qui équivaut en fait à un C généralement. Pour ma part, j'ai fait un 205cc, donc j'ai eu 40 ici et 30 ici de graisse en plus. Ce qui fait que du coup, j'ai un 205cc, ouais, CC avec 40 grammes, c'est un gauche. Et 30 grammes sein droit, puisque c'était surtout mon sein gauche qui était plus impacté par rapport à ma malformation. Enfin, je sais pas si on peut calculer comme ça, mais ça fait un 245. La moyenne est à 280, comme je vous ai dit. Et la projection, c'est une projection 3.5. Les prothèses que j'ai mis, c'est des Motiva. Voilà, pour information, parce que je sais que pas mal de filles m'ont posé la question quelle prothèse j'utilisais. Moi j'en ai entendu que du positif, en tout cas sur le marché de ces prothèses là, j'ai entendu qu'elles étaient très bien. Et c'est vrai que le résultat il est plutôt assez joli. Ta douleur sur une échelle de 1 à 10. Je pense que la poitrine avec du recul ça allait. Par contre j'avais vraiment mal à mon sein gauche. Mais en fait c'était normal puisque c'était là où on avait du mal à décoller le pectoral pour poser ma prothèse. Donc il m'avait expliqué, c'est là aussi où il y a eu pas mal de travail, plus que sur le sein droit, c'est pour ça que j'avais un peu plus mal. C'était vraiment les douleurs, je dirais, parce que j'ai eu plein de bleus au niveau du ventre, des hanches, etc. Et avec la gaine qui me compressait, c'était très compliqué, mais je dirais que la douleur sur une échelle de 1 à 10, sortie d'OP, ça allait. Enfin juste, ouais, j'étais, enfin, toute cette partie de mon corps, elle était engourdie. Je dirais que la douleur quand même, je sais pas, en fait je saurais pas vous dire, peut-être 8 sur 10 les 3-4 premiers jours. Et après ça allait, ça dépend vraiment, chacun a son degré de résistance à la douleur. Je sais que quand j'en ai parlé à mes potes de ce que je ressentais, de ce qui se passait, elles m'ont dit mais Cassely, je sais pas comment tu fais. Je me réveillais le matin, j'étais comme un tronc d'arbre, vraiment. Et surtout les premiers jours à cause de mon anémie que j'ai fait, ben, j'étais toute blanche, un problème de respiration, franchement c'était pas ouf quoi. Tu as assumé ta petite poitrine ou tu étais trop complexée? J'assumais ma petite poitrine, mais je n'étais pas complexée de la petite poitrine, j'étais complexée de la forme, ce qui est deux choses différentes. Le volume et la forme, c'est deux choses différentes. Moi j'aimais beaucoup les petites poitrines et je trouve ça trop beau. C'était vraiment la forme. Quelles sont les démarches que tu as dû faire, sécurité sociale, etc. Docteur Pellissier m'a fait comprendre que en fait c'était tout nouveau, le système où on envoie des photos, etc. Donc moi ça a été fait directement par
par courriel électronique. À l'époque, enfin, ou encore aujourd'hui, ça dépend des endroits, vous êtes obligé d'aller consulter un médecin qui vous valide. Et à partir de ce moment-là, on vous dit ok, prise en charge ou non. C'est sous un mois, faut savoir. Et voilà, donc moi, ça a été déduit directement de mon opération que j'ai faite. Le prix a été directement déduit de ça, donc ça a retiré mon lipofilling et concrètement j'ai payé les prothèses de mon augmentation mammaire. Quel type de prothèse as-tu, sous-pectorale ou non? Alors, oui, tout à fait. Donc, là j'ai tout le mode opératoire en fait, j'ai tout le mode opératoire, c'est un compte rendu opératoire pour savoir ce qui s'est passé en fait lors de l'opération. Donc ça on s'en fiche, on m'a mis de la bétadine, machin, champ machin, dessin selon dimension de la prothèse et répartition de la glande mammaire. À incision cutanée sous aréolaire, décollement de la glande mammaire sous-cutanée en latéral et du grand pectoral en intérieur. À bord latéral du grand pectoral, décollement rétropectoral, section inférieure du pectoral réunissant les loges et réalisant le dual plane de type 3. Donc voilà concrètement ce que j'ai fait comme pose. Hémostase, injection de naropine 75 mg, intramusculaire dans le petit pectoral, drain de Redon, mise en place de l'implant Motiva, ces implants ont une durée de vie limitée, blablabla, infiltration de sérum adrénaline à 2 mg par litre, lipoaspiration sous le fascia superficialis sous contrôle de la main et de la vue des hanches. Enfin bref, il y a trop de choses dedans. Piège de la graisse dans le flacon de Redon. Filtration de la graisse, injection tridimensionnelle de 30 g à droite, donc sein droit, et 40 g à gauche par sein. Voilà concrètement ce qui s'est passé pendant mon opération au bloc. C'était, il y a eu un moment, il y a eu un petit souci au bloc, enfin un petit souci. Il m'a expliqué qu'en gros, mon pectoral gauche ne voulait pas forcément se décoller facilement. Parce que du coup, j'ai fait des implants mammaires sous muscle, hein, bien évidemment, pour quelque chose de plus naturel. Et il m'a dit, c'est vrai que c'est rare, enfin on voit très rarement ça sur des occidentales, en tout cas un muscle aussi développé, aussi ouais, aussi musclé je dirais. Du coup, il a passé un peu plus de temps pour ça. On doit changer les prothèses tous les 10 ans. Alors oui et non, moi je sais que ce qu'il m'a expliqué, et c'est hyper compréhensible comme ça, une prothèse, il m'a dit, c'est comme une voiture. Il y a des voitures, elles vont lâcher avant, d'autres après, d'autres elles lâchent au moment où elles doivent lâcher concrètement. Et il m'a dit, ça dépend, il y a peut-être que tu vas les garder 10 ans, peut-être moins, peut-être plus que 10 ans. Juste oui, c'est à partir du moment où la prothèse elle est fêlée, c'est pas grave, mais il faut penser à se refaire opérer parce que c'est important. Faut penser que c'est une opération qu'on doit recommencer. Pour le coup, je pourrais peut-être être repris en charge une partie comme il m'avait expliqué, vu que j'ai déjà eu une première prise en charge. Après ça dépend, c'est à voir. Qu'en pense ta famille et tes amis? Faut savoir que ça a été très rapide quand même au final, hein. Quand je me suis fait opérer, j'en ai parlé à mes potes et au final ça s'est fait dans la foulée. Moi j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont hyper ouverts d'esprit, que ça soit fille ou garçon, à ce sujet-là, et qui étaient super cool avec moi, super en mode Cassidy, enfin c'était bien, tant mieux. Et juste après l'opération, j'ai eu que des retours, la plupart positifs. Les premières personnes qui ont vu vraiment le résultat, donc ça a été ma mère surtout, et ouais, ma meilleure amie et sa mère, que je considère du coup comme ma tante et tout, qui ont trouvé ça hyper naturel. Je regrette absolument pas, et très franchement, je vous avoue que ça plaît ou non, c'est pas mon problème en soi, parce que c'est mon corps et je fais ce que je veux. À ce jour, avec les réseaux sociaux, on vous montre la mauvaise chirurgie. Allemande. Maintenant, avec le travail que mon chirurgien a fait, je me demande certaines prothèses, si elles ont été posées à l'aveugle pour certaines personnes qui ont fait de la chirurgie. C'est pas censé te détruire, parce que je vois des choses, je me dis, mais quel chirurgien peut accepter que son patient parte aussi loin, qu'il soit... Enfin, c'est destructeur. Et pour le coup, moi, après, c'est à part. C'est un cas à part, puisque c'est de la chirurgie réparatrice. C'est pas de la chirurgie esthétique pure, à proprement parler, encore une fois. Donc voilà, concrètement, non, je suis très contente. Et quel type de prothèse as-tu mis, sous-pectorale ou non?
Alors oui, c'est sous-pectoral, c'est un dual plane de type 3. Et quel type de prothèse as-tu mis? J'ai mis du coup l'Emotiva 205 à projection 3.5. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère tout simplement qu'elle vous aura plu. Je pense que ça aura été la vidéo la plus longue de ma chaîne, mais la plus importante aussi de ma chaîne, je pense l'une des plus importantes. En aucun cas, je le répète, je le dis jamais assez souvent, je vous incite à faire ce que j'ai fait. Moi, cette vidéo, elle sert à enlever un tabou sur une partie aussi surtout de la chirurgie réparatrice qui n'est pas assez mise en avant malheureusement dans notre génération. On oublie souvent qu'il y a beaucoup de chirurgies réparatrices, des filles qui ont subi par exemple des cancers du sein, qui ont une ablation de la poitrine, qui se refont faire la poitrine pour ravoir en fait cette féminité qu'elles ont perdue. La chirurgie, voilà, c'est quelque chose de très large. Il y a différentes chirurgies, différentes pratiques. Et moi, pour mon cas, c'était surtout réparateur. Et n'ayant pas vu spécialement de vidéos au sujet des poitrines malformations de type tubureux, c'était important pour moi d'en parler. Oui, c'est une partie de mon intimité, mais ça devrait pas l'être parce qu'en soi, on a trop sexualisé la poitrine de la femme. Alors, c'est pas une partie qui est sexuelle en soi. Donc voilà, j'espère tout simplement que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairci sur certains points. N'hésitez pas à me laisser des messages, j'y répondrai au maximum. J'ai reçu aussi pas mal de messages quand j'ai annoncé mon opération, de filles qui étaient soulagées, qui m'avaient dit bah Cassely, grâce à toi, je sais ce que j'ai comme problème. J'ai pleuré en voyant ta story et ça m'a tellement touchée parce que si je peux aider des filles à se sentir mieux dans leur corps, à peut-être comprendre des choses qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on ne nous apprend pas toute la vie et c'est compliqué. Le corps d'une femme, comme je dis toujours, c'est quelque chose de tellement, tellement vaste, il y a tellement de choses sur... Voilà, je tenais juste à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant ce moment parce que c'est rare d'avoir des personnes comme ça, d'être entourée de personnes qui vous soutiennent. Sur ce, je vous fais énormément de bisous et je vous dis tout simplement à une prochaine vidéo qui sera... Je l'espère bien samedi à 18h30. Ciao, ciao.